Dès mon enfance, je crois que j'étais marqué par les fresques qui sont dans la cathédrale, beaucoup. Et d'autres lieux, des cloîtres, des abbayes qui sont à côté d'Albi, puisque j'y retourne aujourd'hui avec le souvenir de ces lieux qui m'ont beaucoup influencé. Notamment dans la cathédrale d'Albi, il y a une fresque qui décrit, et la peinture c'est plus que décrire, mais en même temps elle décrit, l'enfer et le paradis. Donc il y a toute l'histoire des hommes, on pourrait repenser à l'enfer de Dante, où un enfant qui observe avec attention, intérêt et angoisse ce genre de peinture, puisqu'on voit notamment pour l'enfer, ces corps qui courent dans des images à la fois monstrueuses et qui perturbent et en même temps qui questionnent et qui élèvent un enfant, parce que c'est de la peinture, m'ont énormément fasciné. Ce n'est pas la religion qui m'a amené à là, et en même temps, je pense que c'est du même ordre. Le religieux, peut-être la religion, mais si il y a une élévation religieuse, pour ne pas dire sacrée, pour rester dans un domaine plus modeste, qui font que je pratique la peinture avec cet esprit-là. Voilà, arrive à l'atelier, courrier. Le facteur avait un mot, le lait vient d'en prendre un café. Je crois qu'il faut une grande stabilité, plus exactement des règles monacales presque, et des horaires, une présence continue, une organisation, des plans, prévoir et écrire même quelquefois ce qu'on doit faire. Puisqu'on est seul avec soi-même, on peut faire ou ne rien faire. Donc il faut vraiment une règle de vie et de travail. Et je crois que la peinture, avant tout, est un hommage ou une louange à ce qu'on aime. Ça peut être un paysage, ça peut être des personnes, des êtres vivants, des animaux, un lieu, une bibliothèque, un livre. On dédie ce travail, on a envie de le faire pour retrouver à la fois ce dont on parle. Et en même temps, essayer d'être à la hauteur pour continuer à le rendre vivant, pour le rendre vivant et dialoguer avec lui. C'est une nécessité. Le mystère de ce tableau vient du fait que j'ai peint cet être, plus qu'un animal, je dirais, être serein, 3 ans avant de l'avoir. C'est-à-dire? Mais j'ai peint ce tableau en 92, c'est un chien. Donc il y avait une forme qu'on voit rarement. Et en 1995, j'ai eu un corgi qui est exactement le chien que j'avais peint. Voilà, ça c'est mes coquetiers que j'ai depuis. Là, je prépare un tableau, comme les vieux peintres. Tu vois, c'est très. Il y en a qui ne le font pas. La toile est déjà peinte, on pourrait peindre. Mais il faut tuer la lumière qui passe derrière la toile. La toile est transparente, un peu. Et deuxièmement, donc je prépare la toile avec une couleur neutre comme un fond pour tuer toutes les transparences. Et en même temps, la peinture que je vais passer après, quand elle sera sèche, va bien se déposer. Il ne faut pas raconter d'histoire en peinture, il y a un sujet, il faut le trouver, il faudrait pouvoir peindre les yeux fermés. Pouvoir dessiner, comme disait David, le temps qu'un homme tombe de l'échafaudage, quand on fait le dessin, lorsqu'il est arrivé en bas, il faut l'avoir dessiné. Il y a de la peinture partout, hein. Alors ça, c'est. Il va être content, le facteur. Je commence le 82e. Le portrait, c'est une image définitive lorsqu'il sera terminé. D'un être qui en permanence ne cesse de changer. Montaigne disait, je suis toujours en mouvement, celui que j'étais et qui a dit certaines choses, aujourd'hui, c'est toujours le même, mais il ne dirait peut-être pas les mêmes choses. Alors là, Rembrandt est en train de graver. Donc ses mains, je les ai travaillées dans ce sens, il y a l'esprit et la main.
Et pour Amran, c'est pour le coup, c'est permanent. Et donc, il fait ses graves vues. Alors, il y a une pensée. Et puis, j'ai tiré ce tableau d'une gravure qu'il a faite et qu'il est en train de faire, puisque c'est un autoportrait. Alors, il regarde, il se regarde, et en même temps, il se grave, il se peigne, il se dessine. Mais il y a une forte présence, je trouve, des mains, et dans ses mains, forte présence de l'esprit. Et chaque tableau, autant qu'il s'est peint, il passe de la jeunesse à la vieillesse, de la douleur à la légèreté. Il s'est peint déguisé avec sa femme. Il adorait les vêtements qui venaient d'ailleurs. On voit des toques qui viennent d'Inde ou d'Asie, puisqu'il allait dans le port d'Amsterdam acheter des tapis, des objets, des écharpes, des produits, des arômes, des vins qui venaient d'ailleurs. Donc c'est un homme universel, ne s'étant jamais déplacé, n'étant jamais parti de sa ville d'Amsterdam. Il a connu l'Italie par les gravures, alors que tout le monde a fait le voyage en Italie, et au XVIIe, il aurait pu le faire. Il n'a jamais voyagé, et il a toujours travaillé. C'est une admiration, depuis mon plus jeune âge, pour son œuvre et pour l'homme. Une œuvre qui est une élévation, qui est une œuvre d'un humaniste, une immense beauté. Il n'y a pas de. Je n'y vois que des vertus, il n'y a pas de mauvaise raison dans ce qu'il a fait, d'avoir fait ce qu'il a fait. Et l'homme est extraordinaire également. Et pour une autre raison, c'est celle de la lucidité qu'il a à l'égard de lui-même, comme Montaigne. Il s'est peint lui-même. C'est le seul peintre qui s'est peint toute sa vie, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à sa mort. Il s'est peint tel qu'il était, pas tel qu'il aurait aimé paraître. Donc il y a une franchise, une lucidité que j'admire infiniment. Et je l'admire également parce qu'il a peint tout au long de sa vie, des livres, les gens qu'il lisait. Il s'est rapproché des Amsterdam, du quartier juif, où il y avait des rabbins avec des livres. C'est un homme du livre ou un peintre du livre. Ça, c'est une raison essentielle pour moi. Pour être peintre, il fallait beaucoup d'études, les sciences, la poésie, la calligraphie, la pensée philosophique. Et en 12e ou 13e étape, ce qui était l'ultime étape, afin de pouvoir devenir peintre avec des maîtres. Donc c'est tout un cheminement. Un cheminement. Il y a un autre livre qui est très important, c'est les traités de peinture. Traité de peinture, les propos sur la peinture du moine Citrouille-Amer, comme les Chinois savent donner des noms communs, se donner des noms communs, et qui est une véritable Bible sur la peinture du 1710. La peinture est une histoire de la pensée. Alors les techniques, on les apprend, et la pensée, il faut marcher, la découvrir sans cesse, les Rembrandt. C'est ça, il y a une pensée avec lui. Elle ne s'arrête pas au tableau qu'il a fait, elle continue à savoir ce que peut être l'homme. Un jour, Rembrandt faisait un portrait d'une personne très importante. Et puis, une personne de son entourage est venue lui dire que son chien était mort. Il a tout laissé, il a été récupérer son chien, il s'est occupé de lui, il est resté avec lui quelques heures, il a laissé tomber toute la peinture qu'il faisait. Entre la peinture et le chien, il a choisi le chien. Mais c'est ça le peintre. C'est qu'après, il continuera à peindre, mais il aura connu un peu plus de sa vie. Il aura été je sais pas qui dit, entre sauver un chat et un tableau de Rembrandt qu'on aime beaucoup. Et bien même Rembrandt sauverait le chat.
c'est un peu ça un tableau, ou une œuvre, un roman, ou une œuvre d'art, c'est de prendre le sujet et avec lui l'accompagner, tourner autour du pot, autour de la chose, aller très loin pour revenir presque au point de départ, mais en ayant fait tout ce détour. Et tout ça, c'est pas ni technique, ni prémédité, c'est une nécessité, comme une, un long chemin qu'on doit parcourir, un chemin initiatique. C'est pour ça que la peinture est un lieu de connaissance. Et très peu de personnes savent que c'est comme ça. Il faut faire des détours pour revenir à l'origine. Le détour permet de dialoguer avec le sujet, permet d'avoir une pensée permanente pendant qu'on fait ce tableau, ce qui fait qu'il est nourri d'une vie qui n'existe pas si on l'impose immédiatement. Et ça se déroule naturellement comme ça, on ne peut rien à ce déroulement. Comme une abeille va chercher du pollen pour faire du miel, et on est obligé de faire ces détours. Mais j'aime bien des nuances sans trop de contraste. Il y a des beaux livres qui en parlent, notamment au Japon, un livre qui s'appelle Éloge de l'ombre. Et je crois qu'il faut, c'est une manière de voir les choses, de faire deviner, aller les voir en profondeur, pas provoquer par des contrastes trop violents. Mais quelques sujets, et quelquefois je l'ai fait, nécessitent de produire des tableaux où il y a beaucoup de contrastes. Mais j'aime bien la manière douce et nuancée d'écrire les choses. Pour trouver le rond de bosse, le volume, ce qui est la perspective, la troisième dimension, alors qu'il n'y a que deux dimensions, l'artifice, mais c'est sincère, il faut modeler. Mais je ne modèle pas parce qu'il faut modeler, j'essaie de trouver l'âme à travers la forme et la matière. 80 tableaux sur... 92, il y en aura ici, je suis pour le moment après 8 ans. 80... Est-ce qu'on peut croire que le sujet sera expurgé? Ah non, il persistera à moi dans ce que je ferai d'autres tableaux. C'est-à-dire que dans tous les tableaux que je continuerai, que je ferai, il y aura une part de ce travail que j'aurai fait et de ce que Rembrandt aura fait. Le résultat vient de tout ce qu'on possède, du livre qu'on a lu et de l'intensité avec laquelle on l'a lu et de l'affection, de la densité du rapport qu'on a avec quelqu'un, en l'occurrence Rembrandt. Donc dans tous les autres tableaux, il y aura une partie importante donné par ce travail que j'aurais fait. En fait, j'ai connu son travail grâce à une exposition qui avait été organisée au Musée des Beaux-Arts d'Alençon par Aude Pécélux. Et on s'est rencontrés juste à cette occasion-là. J'avais été tout à fait séduite par son travail. Et depuis, ça a été le point de départ et d'un long travail en commun et d'une longue amitié.
Il a fait toute une série de portraits d'écrivains, beaucoup, que ce soit Proust, Kafka, des écrivains au féminin américain comme Flannery O'Connor, qu'il aime beaucoup. Il a toujours une... Il lit et de ses ouvrages, en fait, il tire, c'est vrai, un véritable compagnonnage avec les écrivains qu'il lit. Bernard aime la littérature. C'est pour ça, sinon il serait hermétique au texte, hermétique aux mots. Je pense que jamais, enfin, on ne pourrait pas arriver à ce degré de complicité. Travailler comme travaille Bernard la peinture, c'est pour moi travailler dans le vrai. Enfin, je connais aussi d'autres peintres qui travaillent dans le vrai comme lui. Ces peintres-là sont, malheureusement, j'allais dire, maintenant des peintres, Bernard est encore jeune, mais des peintres d'un certain âge. Je pense que tous les deux, nous trouvons notre compte à cette collaboration, et même peut-être pas un mot, ça pourrait vouloir dire qu'il y en a un, en fait, qui l'emporte sur l'autre. Or là, c'est une sorte, j'allais dire, de communauté de pensée. Voilà, ça coule de source, notre... Bon, appelons ça quand même une collaboration, mais il n'y en a pas un qui impose quelque chose à l'autre. Disons que quand Bernard peint à partir d'un de mes textes, il n'illustre pas, il donne sa propre version d'un thème. Le travail sur Salomé est parti d'un sentiment d'intérêt que je nourris pour les femmes, les grandes figures féminines de la Bible. J'ai écrit les textes, 7 textes, non, pardon, je raconte des sottises, 8. Et Bernard donc a peint sur tous les épisodes de Salomé. La danse de Salomé, en fait, dans l'esprit de Bernard et dans le mien, c'est devenu une danse, pas pour faire plaisir à Hérode, mais une danse en l'honneur de Jean-Baptiste. Lettre à Ulysse est un projet qui fait partie de ce que j'appelle une petite trilogie, bien que ce soit une trilogie décousue, parce qu'aucun des volumes n'a... Enfin, des volumes, ce sont des livrets très, très légers. Il y a eu Petit bestiaire sans importance, le premier, Les lettres à Ulysse, le deuxième, et il y aura un troisième volet avec des textes sur l'enfance. Il y a... le cavalier, voilà, il y a toujours cette image de l'homme qui s'enfuit à cheval. Bon, comme il y a la mer, il y a les coquillages, il y a aussi la légèreté des étés italiens avec des papillons. Et puis au sommet, il y a un livre, donc un livre qui est l'Odyssée. Il n'en finira pas de hanter la grande maison accrochée à la falaise qui domine la mer. Je l'ai su le jour où il en a franchi le seuil. Tel un homme poursuivi par d'improbables fantômes. Il venait là, a-t-il dit, pour voir se coucher le soleil. Il aimait le sortilège de l'astre qui, après avoir embrasé les cieux des lumières les plus subtiles, disparaissait sur l'horizon liquide. Le premier volet du paravent, le premier panneau, représente en fait un chevalier errant qui enlève sa belle, qui est inspiré des chevaliers du Moyen-Âge, de la littérature médiévale, qui a été une littérature commune à la France et à l'Italie. Le texte parle beaucoup du bruit des fontaines romaines, de l'eau, et de l'eau, de la lumière et de la sculpture. Et cette fontaine est la fontaine aux tortues à Rome. Elle est très, très identifiable. Hein. Et nous avons l'intention de continuer longtemps comme ça. On appelle ça nos affaires. Tout d'un coup, nos affaires, sans préoccupation ni des débouchés, entre guillemets, commerciaux que nous pourrions avoir. Et on n'est quand même pas très dupes. Ce genre de travail ne sera jamais commercial. Voilà, c'est pour le plaisir de travailler, d'avoir l'impression de faire quelque chose, pas d'utile, mais de beau. Voilà. Bernard me donne l'impression d'être égaré dans notre siècle. C'est-à-dire ? Il est... C'est quelqu'un qu'on aurait vu beaucoup plus dans les communautés artistiques, littéraires du 19e, de la fin du 19e siècle, ou même du début du 20e siècle, quand il y avait encore des véritables lieux où les artistes, écrivains, peintres, musiciens se rencontraient, discutaient, bâtissaient ensemble des œuvres. Ça n'a plus beaucoup maintenant.
de sens, ça. Il y a quelques, si, il y a quelques créateurs qui travaillent, mais c'est une fois. Enfin, il n'y a pas de vraie communauté de vie. Il est vraiment égaré, Bernard Lancien. Le cinéma, c'est une pensée qui se développe au moment où on voit le film. La littérature, c'est un dialogue permanent. Comme je le crois, la peinture, c'est, comme tous les arts, c'est une, et peut-être la peinture et la poésie encore plus, c'est une histoire de la pensée. C'est-à-dire que c'est un moment où il y a un dialogue pour essayer de comprendre le monde, mais un dialogue avec les autres, les vivants et les morts. On peut dialoguer avec Rembrandt ou avec Pascal pendant que l'on peint. En tout cas, je devrais dire pendant que je peins, c'est un dialogue, histoire de la pensée. Et en même temps, il y a une production matérielle qui se dégage de ce moment. C'est d'où ce mystère qui est fascinant et infini. Je ne sais pas si d'autres l'ont dit comme ça, mais pour moi, c'est une histoire de la pensée. Je ne dis pas aujourd'hui je vais écrire l'histoire de la pensée, mais c'est une nécessité intérieure dans un dialogue permanent avec le monde. C'est le paysage, c'est l'idée de la mort, c'est les philosophes, c'est une phrase d'un écrivain. Et dans ce dialogue, je construis, je réponds par la peinture. Regarde. Bonjour. Malheureux, entre parenthèses. Ah, ben oui. Bonne journée. Voici vous de même. Attention, regarde. La marche et la promenade avec les deux lévriers, c'est très important, et avec elle, je vais dans les endroits qui me semblent les meilleurs et les plus tranquilles, les plus silencieux. Ici, c'est un point d'orgue de la ville, depuis les origines de la ville, et au Moyen-Âge, et puis la période des Noailles, c'est tout le temps été un endroit et géographique et artistique rempli de beauté. Je ne suis pas un peintre qui peint les beautés méditerranéennes particulièrement, même si j'ai peint sur Porcro. J'essaie de trouver autre chose, c'est plus l'intériorité que j'ai qui me permet de peindre, ou les bibliothèques que j'aime beaucoup, que la douceur du soleil qui est un peu perverse. Souffle du sud-est.
Alors là, il y a un mystère d'incarnation, on pourrait dire. J'ai fait le portrait de Martine, tu l'as vu aussi. Il y a une... On est là, les personnes que je peins, vivantes, et Rembrandt, ça dépasse, ça rejoint la même chose. J'ai l'impression que le... ce qu'on peut ressentir de la présence, ressentir dans tous les sens des sens, je le ressens. Il y a une... Je sentais presque une transpiration. Et la peinture elle-même, dans sa propre matière et ses formes, dit tout ce qu'elle pourrait dire, je crois. On a toujours le tableau dans son ensemble en train de se faire. On ne peut pas oublier un coin du tableau. Il y a une résonance permanente dans cette arène. La peinture est, ou en tout cas le tableau, est un lieu du paradoxe. C'est-à-dire chaque fois qu'on fait quelque chose, on peut trouver l'inverse. Et le tableau est rectangulaire, le portrait est rond, c'est sombre, il faut trouver la lumière. On va du blanc au noir, on va d'un bord à une autre extrémité, sans cesse. Donc c'est plus un équilibre chaque fois qu'il faut trouver un équilibre dans la... dans l'obscurité, mais c'est pas ça, c'est trouver le point de lumière dans chaque tableau. Mais c'est pas sombre, mais l'inverse de la lumière, c'est l'obscurité, ou ce qui paraît sombre aux personnes, mais c'est pas une fête de village avec des drapeaux de toutes les couleurs. C'est un lieu d'une réalité, pour des personnes, des arbres, toute la nature est une richesse de nuances. Et pas de contraste violent de toutes les multicolores. Mais c'est pas, moi je cherche pas la reconnaissance, hein. Je cherche à bien faire mon travail, des rencontres de qualité.